Pour la petite histoire, je suis à Montévrain, en Seine-et-Marne, à côté du parc Euro Disney. J'avais envie de vous faire découvrir ce petit parc avec moi, en même temps que je réponds à certaines de vos questions. J'ai remarqué depuis quand même pas mal de temps déjà que j'ai énormément de questions. En général, j'essaye de répondre vraiment à toutes les questions, à tous les commentaires. Je vous en remercie d'ailleurs, hein, continuez comme ça les commentaires, c'est super sympa. Ça me permet d'être à la fois motivé et puis de savoir un petit peu ce que vous attendez. Donc n'hésitez pas à me laisser vos idées également, à me laisser « Tiens Fabrice, fais-moi une vidéo sur un truc ou quoi ?» Moi je suis ok pour faire des vidéos, il n'y a pas de souci, simplement il faut du temps. C'est vrai qu'il y a le ton en même temps dans la vidéo, donc je peux vous faire des signes, etc. Ouais, effectivement c'est une bonne idée, non c'est pas une bonne idée. Il y a des gens qui viennent en exposition pour la première fois voir les arbres et ils nous demandent mais quel âge a cet arbre? Il faut savoir quand même que c'est très difficile déjà de répondre à cette question. La réalité c'est qu'il faudrait couper l'arbre pour compter les stries, pour savoir à peu près quel âge il aurait. Normalement il existe une technique qui s'appelle la dendrochronologie qui permet de répondre vraiment à cette question. En bonsaï bien entendu on ne va jamais être destructeur et donc couper les branches ou le tronc, on ne ferait jamais ça, ça me paraît logique. Lorsque vous achetez un arbre par exemple et qu'il y a un âge marqué dessus, franchement n'en tenez pas compte. Aujourd'hui c'est un produit marketing, dire un âge c'est n'importe quoi, parce qu'en fait la réalité c'est que lorsqu'on va dans un centre commercial quelconque ou dans une jardinerie qui a marqué bonsaï machin 9 ans, en fait il a 2 ans ou 3 ans, c'est issu de boutures généralement, c'est les Chinois qui l'ont fait ou peut-être les Européens. Quand vous allez chez un professionnel par contre, oui effectivement ça va être déjà plus sérieux, mais encore faut-il s'adresser à un très bon professionnel. On a une technique particulière avec Gabi, c'est simple, on coupe généralement une première branche, alors les branches qui nous gênent bien sûr, on va pas couper les branches de l'arbre en entier, et on compte les spires de cette branche et après on essaye de faire plus ou moins un ratio, c'est jamais très précis. Tiens, d'ailleurs on entend hein, le petit train du parc, ça me fait rigoler parce qu'on entend aussi le bruit des gens qui crient et tout. L'art du bonsaï c'est aussi de faire croire à l'observateur justement que l'arbre il est vieux. Regardez la qualité de l'arbre, c'est ça la priorité. Est-ce que l'arbre vous plaît? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il ressemble à un arbre vieux? Voilà. Maintenant si vous vous focalisez sur l'âge de l'arbre réellement, si vous commencez par la graine, vous saurez l'âge qu'il a. Par contre dans un centre commercial ou encore une fois chez un professionnel, vous n'aurez jamais vraiment l'âge réel de cet arbre. C'est ce qu'il faut comprendre. L'art du bonsaï, c'est bien de cacher l'âge de l'arbre. En fait, on veut qu'un arbre jeune apparaisse vieux. Voilà, c'est ça l'art du bonsaï. Une question qui est récurrente, que forcément le débutant va se poser, combien coûte un bonsaï? Ça dépend de l'endroit où vous vous adressez, bien entendu, lorsque vous achetez votre premier bonsaï. Sachez quand même que si vous allez dans des centres commerciaux, ce sera à un prix dérisoire, mais ce ne sera pas forcément un bonsaï dans le sens du terme, c'est-à-dire que ce sera plus une bouture ou un pré-bonsaï plutôt qu'un bonsaï. Bien entendu, il sera dans un petit pot, ce sera des prix pas chers aux alentours de 15, 20, 30 euros. On peut bien sûr trouver d'autres prix plus chers. Je vous conseille à ce moment-là de vous aiguiller vers des ormes de Chine par exemple. Si vous vous adressez chez des professionnels, les prix risquent d'être un petit peu plus chers et conséquent bien entendu suivant la qualité de l'arbre que vous choisissez. Bien sûr ça dépendra encore de votre budget. C'est comme tout, si vous voulez de la qualité il va falloir mettre le prix, donc plus vous allez monter en gamme et plus le bonsaï sera cher. Une autre question qui revient assez souvent, peut-on faire du bonsaï avec tous les arbres? Alors à cette question, c'est déjà plus précis et c'est déjà plus simple de répondre. Pour ma part, je dirais non et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'il y a certains arbres qui ne peuvent pas avoir de réduction de feuilles. Il y a des arbres qui vont avoir du mal aussi à cicatriser au niveau des tailles et des coupes. Il y en a d'autres qui ne vont pas supporter non plus la ligature. Et enfin, il y en a qui ne supportent pas le traitement dans le pot, les rempotages, etc. Il y a des espèces qui sont assez connues. Je vais vous en citer quelques-unes, par exemple le châtaignier, le platane, le marronnier, l'avocat, le baobab même, parce que c'est vrai que ça peut être rigolo comme ça, mais j'ai eu aussi des questions concernant cet arbre, le baobab. C'est vrai que c'est assez inopiné comme question, mais effectivement, c'est pas un arbre qui est approprié. Alors quand vous voyez des photos de baobab, c'est très beau généralement. Hein, ce sont des arbres qui vivent sur l'île de Madagascar, par exemple. On en voit des très très beaux, des très très vieux. Le souci, c'est que avant d'arriver à un tel arbre, vous n'allez jamais avoir un tel résultat. Il faut éviter également la famille des saules, parce que ce sont des arbres qui nécessitent beaucoup d'eau et qui sont très très capricieux. C'est-à-dire que lorsque vous allez
le tailler par exemple, ou que vous allez vouloir poser de la ligature dessus, l'arbre ne va pas s'embêter, il va mourir sur la partie sur laquelle vous avez travaillé et va repartir à la base. Donc ça c'est quand même très problématique pour créer un bonsaï. L'art du bonsaï c'est aussi de choisir la bonne espèce, prendre une espèce qui va bien réagir à la fois à la taille, à la fois à la pose de ligature, aux différents rempotages. J'ai souvent la question qui revient aussi, qui est, c'est assez amusant d'ailleurs. Comment mon arbre peut-il rester petit ? Naturellement, lorsque vous le mettez dans un pot à bonsaï, votre arbre va rester petit. Même si vous ne le taillez pas, il ne va pas grandir démesurément. Tout simplement parce qu'il a peu de substrat dans le pot, il ne va pas avoir les moyens de se développer comme il pourrait le faire en pleine terre. Là, vous avez la certitude que votre arbre ne va pas devenir gigantesque. Par contre, bien sûr, il faudra le tailler pour que les formes soient proportionnées. Et ensuite, il y a des techniques particulières pour apprendre à faire le bonsaï. Quelle est la fréquence d'arrosage d'un bonsaï ? Considérez qu'un arbre, il a besoin d'être arrosé tous les jours. Si déjà vous faites ça, vous ne faites pas d'erreur et votre arbre il pourra survivre et vivre correctement. Ça dépendra aussi du substrat que vous allez utiliser et donc comme vous l'avez compris, on utilise des substrats drainants pour que l'eau s'écoule plus facilement et qu'on puisse apporter des éléments nutritifs. Dans toutes les vidéos que je vous ai fait jusqu'à présent, j'ai plus ou moins répondu déjà à cette question, mais j'en ai encore qui me posent cette question et donc je me dis mais comprennent-ils vraiment ce que je suis en train de dire ? Si vous n'arrosez pas votre arbre, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il meurt. Si vous l'arrosez toutes les semaines, c'est trop peu. En hiver, ça va peut-être passer, mais en été, on va prendre l'exemple du chien ou du chat. Combien de fois par jour il va boire ? Ben, c'est exactement pareil pour un arbre. Il a besoin d'eau tous les jours. Arrosez-le tous les jours et ce sera parfait. Une question qui revient assez souvent, est-ce que je peux faire du bonsaï en appartement ? C'est une question qui est légitime. Vous me regardez notamment sur la région parisienne, je sais que vous êtes nombreux à vivre en appartement. Moi, la question, je la retournerai vers vous en vous disant, est-ce que vous avez quand même un peu d'espace pour cultiver des plantes ? Est-ce que vous avez par exemple un balcon ? Est-ce qu'il est ombragé ? Voilà, si vous avez un balcon, si vous avez un petit espace extérieur pour pouvoir cultiver vos arbres, oui, vous pouvez faire du bonsaï. En étant organisé sur un espace de 3 à 4 mètres carrés, je pense qu'on peut arriver à commencer à faire du bonsaï en faisant des petites choses, par exemple en se spécialisant dans le show-in. Ça peut être très sympa. Alors le show-in, c'est des arbres qui sont de petite taille. Il est possible aussi de cultiver des arbres sur des rebords de fenêtres. Alors attention bien sûr, ne pas faire tomber les pots, faire attention à l'arrosage parce que lorsque vous arrosez vos arbres, ça dégouline sur le balcon et ça va donc dégouliner sur les autres balcons qui sont en dessous. Donc il faut une certaine logique et s'adapter à son endroit de culture. Pour ceux qui vivent en appartement clos, qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de possibilité d'avoir un rebord de fenêtre, il existe aussi des solutions pour, par exemple, louer des petits espaces de jardin. Les prix varient bien entendu, mais là vous pourrez cultiver en pleine terre parce que je vous déconseille de cultiver en appartement en intérieur vraiment. Il vous faudrait éventuellement des solutions avec des lampes, des choses comme ça, mais même avec cette technologie qui aujourd'hui existe, la solution miracle en intérieur n'existe pas et vous aurez forcément des résultats qui seront médiocres. Comment entretenir un bonsaï ? Bon, ça fait partie un petit peu des questions récurrentes. Bon, déjà, vous l'arrosez tous les jours. Il faudrait aussi le nourrir, donc lui apporter un petit peu d'engrais. Donc, vous avez une vidéo maintenant sur l'engrais que je vous ai fait, où j'ai détaillé ce que c'était que l'azote, le phosphore et le potassium, plus d'autres éléments. L'entretenir, c'est aussi l'exposition, savoir le placer à un endroit spécifique et ne pas le changer tout le temps de place, parce qu'un arbre, il n'a pas besoin de changer de place. Généralement, les feuillus, considérez qu'il faut les placer dans un endroit plus ou moins ombragé, et pour les conifères, c'est plutôt l'inverse, il faudrait plutôt les placer au soleil. La question récurrente aussi qui revient, c'est est-ce que je dois mettre mon arbre dehors ? Est-ce que je dois mettre mon bonsaï dehors ? Un arbre, par définition, ça vit dehors, ça ne vit pas dedans. Je veux dire, le concept de l'arbre d'intérieur, c'est un concept commercial. Posez-vous la question de savoir quel est le climat de l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Vous n'avez pas cherché longtemps, c'est désertique. Il n'y a absolument rien qui peut vivre à l'intérieur de votre maison ou de votre appartement. Vous allez pouvoir maintenir certains tropicaux en intérieur. Oui, vous allez pouvoir le faire maintenir. Mais par contre, ça ne va pas durer longtemps. Même les ficus, qui sont des arbres très 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 robustes, ils vont finir par péricliter et ils ne pousseront pas comme il faut, alors qu'ils pourraient pousser correctement si vous les mettiez en serre chaude et humide. La réponse à cette question est toute simple. Votre arbre, vous devez le mettre impérativement dehors.
Est-ce qu'un bonsaï, ça vit longtemps? C'est une question qui est amusante, mais qui est pertinente. Lorsqu'un arbre est très très bien cultivé, un arbre va vivre beaucoup plus longtemps dans son pot bien entretenu que dans la nature. Dans la nature, un arbre va vivre une centaine d'années au maximum. Il est très très rare de trouver aujourd'hui des sujets qui sont très très vieux. Alors ça existe, bien entendu, mais c'est rare. Les forêts comme ici qui nous entourent, c'est des forêts qui sont relativement récentes, elles ont 20, 30, 40 ans maximum. Il est très rare, d'ailleurs j'en ai pas trouvé un de sujets qui ont plus de 100 ans ici. On n'en trouve pas dans la nature, c'est quand même assez exceptionnel de trouver des arbres qui ont plus de 100 ans. Sachez qu'un bonsaï, s'il est bien entretenu, il va vous survivre parce qu'un arbre en pot sera mieux cultivé que dans la nature. Il y a une question qui revient assez souvent et qui me surprend, c'est la question de la souffrance. Est-ce que un bonsaï, ça souffre? Est-ce que le fait de le tailler, de le ligaturer, de le mettre dans un pot, le fait souffrir? Quand on est collectionneur de bonsaï, on aime les arbres. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis aujourd'hui dans cette petite forêt. Je me parle tout seul dans cette forêt, en plus, je me fais peur. Je considère que couper un arbre, c'est pas bien. D'un autre côté, si on ne coupe pas certains arbres, on a des forêts qui ressemblent à rien. Donc il faut entretenir nos forêts. En bonsaï, lorsque vous coupez un arbre, ou quand vous le taillez, il faut être raisonné. Lorsque vous le ligaturez, c'est pareil, on prépare les choses. Donc lorsque je travaille un arbre, moi c'est mon habitude que je prends, je travaille toujours des arbres qui sont en bonne santé. Je fais une intervention par an, et ensuite je le laisse reprendre. Je ne dis pas que l'arbre ne souffre pas, il est possible que l'arbre ait un stress, d'ailleurs ça se voit puisqu'il y a des réactions sur les arbres et donc on peut en conclure qu'ils ont un état de stress. De là à conclure que c'est de la souffrance, c'est peut-être un petit peu compliqué. Moi personnellement, je ne pense pas qu'ils souffrent et comme je ne veux pas que mes arbres souffrent, je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils ne souffrent pas. Est-ce que mon arbre peut faire des fleurs? Est-ce que mon arbre peut faire des fruits? Ou également des graines. C'est une question qui revient assez régulièrement et bien sûr à cette question je réponds naturellement oui, que l'arbre d'abord va produire sa fleur, ensuite il va produire le fruit et pour finir la graine. Il existe beaucoup d'espèces d'arbres dont la floraison vraiment est presque inaperçue, elle passe inaperçue, on voit très très peu de détails. La période de floraison d'un arbre c'est le printemps, après là, il va y avoir la production du fruit, la graine va être produite durant toute la saison de pousse mais elle va tomber à l'automne. Oui, un bonsaï fait des fleurs, fait des fruits, fait des graines. Une question qui revient assez régulièrement aussi, qu'on me pose surtout dans mon entourage, est-ce que c'est une bonne idée d'offrir un bonsaï? Ma réponse, elle est toute simple. Il faut d'abord que vous vous préoccupiez de la personne à qui vous offrez cet arbre. Vous voulez faire un joli geste, un truc sympa, mais que vous offrez un arbre à une personne qui finalement n'attendait pas du tout ça, ça peut être une grosse surprise et une surprise désagréable. Alors que si la personne attend ça depuis longtemps, elle a déjà prévu un emplacement par exemple, elle en a déjà parlé plusieurs fois et elle s'est posée la question de savoir où est-ce qu'elle allait poser son arbre, comment elle allait l'entretenir et tout, là ça serait peut-être beaucoup plus judicieux. Si vous tenez à offrir un bonsaï, préparez le terrain, commencez déjà par poser quelques petites questions, bon détournées bien entendu, mais savoir si vraiment la personne elle est intéressée pour entretenir un bonsaï, parce que c'est ça la problématique. Offrir un bonsaï, c'est pas un problème aujourd'hui, on va dans un centre commercial ou on va chez un professionnel, on peut acheter un arbre et l'offrir. Le souci, c'est après l'entretien derrière. Si la personne n'est pas motivée, malheureusement, l'arbre risque de périr. Et ça serait dommage à la fois pour vous parce que vous avez offert un cadeau de bon cœur et à la fois pour la personne qui a reçu le cadeau parce qu'elle sera gênée aussi de vous dire « Ben écoute, tu m'as offert un arbre, mais je suis désolé, je ne savais pas comment l'entretenir, du coup, il est mort. » Assurez-vous que la personne, elle a déjà un petit emplacement prévu, qu'elle a déjà un petit peu cogité et qu'elle en a parlé plusieurs fois, qu'elle a envie de se lancer. Parce que ce n'est pas inopiné d'offrir un bonsaï, c'est un peu comme un animal domestique, il faut s'en occuper tous les jours.